particulier de partager avec vous des informations pertinentes relatives à des dossiers de haute importance sur lesquels s'active ce ministère sous le haut patronage de l'exécutif haïtien. Indéniable que dollar américain, j'en nous connais, après baisse substantielle que nous te connais il y a quelques mois de cela, et recommencer à grimper côté le te passé de 60 à 62 gouttes. Et je dis à l'ENA 86 goud, qui c'est taux réel, taux officiel, BRH. Mais moi je voulais dire exactement l'objectif réel de conférence de presse, c'est garder dernière mesure qui saute prend là côté que ministère a publié un avis d'importation et lui fait sortir deux communiqué 007 et communiqué 008. Communiqué 007 là, Boal dit nous exactement, il fait référence avec avis d'importation. Les nous constater toute importation qu'a faite sous marché local là, eh bien, yo pas gagné vraiment contrôle sur yo. Yo importé n'importe qui bagay bay consommateur pour consommer. Les nous prend fer qualité fer yo ban nous ou bien épaisseur fer là li pas réel. Li rentrer dans cadre objectif conférence ça tout avec nouvelle équipe dynamique ministère gain à travers inspecteur automatiquement produit ça yo arrivé dans douane et ben gain là dedans yo que nous pral prendre des échantillons que nous allons envoyer dans le laboratoire. Ça permet aussi, importateur, que nous connaissons qui côté vous commandez marchandises. Et ça permet aussi l'œil arrivé dans la douane. Jean Noué nous mande dans Avia. Faut que yo gagne yon facture au format. Faut que yo gagne côté lundi facture au format qui sorti kay fournisseur. Et adresse côté importateur a acheté marchandise là, poids marchandise là, prix unité li et valeur fob marchandise là à siffle. Ça c'est des termes techniques au niveau de la douane. Et décision ça yo qui prend, c'est des décisions d'État, mais qui chita sous la loi.
là nous fait référence avec article 53 dans code douanier qui modifié décret 13 septembre 1990 là et gagné un arrêté 13 mars 2018 qui portant régulation de l'importation, de la commercialisation et lui fait obligation avec importateur pour remplir un formulaire de préavis d'importation numérisé cap sous système Sidonia ou bien il y a transmettre formulaire ça par voie électronique que le ministère a gagné ou bien il vient déposer directement dans le ministère dans la direction commerce extérieur pour analyse et traitement. Mais il y a certains ministères avant yo vinn déposer dossier ça qui concernait et ces ministères ça yo qui pral ba yo autorisation pour porter ban nous-mêmes n'a pas analysé yo pour nous est-ce que yo répond avec nom yo par exemple pour des moun qui gen pouwè avec et ministère santé publique si c'est question dans le cadre domaine pharmaceutique, c'est le ministère de la Santé publique qui peut avoir une autorisation. Si il y a un rapport avec l'agroalimentaire ou gagner ce ministère de l'agriculture qui peut avoir une autorisation pour porter dans le ministère de commerce, tout à l'heure, on fait référence avec fer, ciment, eh bien, c'est le ministère des travaux publics qui pour bayo yon attestation pour yon venir nous-mêmes analyser et pour nous si yon conforme avec la loi et le sa, moun sa yo, n'a bayo yon autorisation. Ça relou préavis d'importation pour être capable d'importer. Là nous constater tout le monde qui a importé. Il y a des gens qui importé, nous comprendre ça, c'est via les lettres qui ont gagné au niveau BRH pour importer. Mais gagner importation qu'a fait c'est dollars qu'a fait que nous pas arrivé c'est né transaction ça yo qui fait sous marché formel là c'est comme si importateur ça yo prend dollars yo mettez le nom mallette dans la caillou ou bien vous fouillez tout vous mettez ou bien change là yo fait de façon irrégulière. C'est la raison pour laquelle dans communiqué dans 008 là eh ben nous dit tout importateur eh ben la loi fait obligation pour météo en règle pour vous capable d'importer, mais nous même au niveau du ministère nous disons ministère commerce fait yo obligation pour yo soumettre ministère toutes les attestations qui ont rapport avec différentes transactions change dépôt yo fait la banque
sous marché change là et faut que vienne avec attestation ça et c'est une banque ou bien une entreprise de change qui dûment autorisée par la Banque de la République d'Haïti BRH. Que veut dire si un importateur vient là il vient faire demande d'importation il pas annexé attestation ça yo qui côté le fait dépôt qui côté le changer l'argent là. OK, est-ce que c'est dans banque qui change? Est-ce que c'est un bureau d'échange qui dûment autorisé pour le faire change là? Ou bien est-ce que c'est sous marché informel là? Marché informel là, il n'y a pas qu'à jouer une attestation. Ben, faut que nous connaissons qui côté de faire transaction. Deuxièmement, nous te fait une rencontre ici. Nous te rencontré ADI, qui c'est l'association des industries d'Haïti. Côté que nous te posé problème change là. Parce que banque a plein, yo pas recevoir dépôt dans main opérateur sous-traitance. L'en parler opérateur ou entrepreneur sous-traitance que nous un monde qui dans factory yo. Que moun sa yo yo vann yo produit pour l'extérieur. Là yo rentré, yo rentré avec l'argent américain. Mais l'argent américain ça, li pas ni déposé non banque ni yo pas changé non banque tout. Parce que banque yo a plein ça. Eh ben nous besoin qu'on ait qui côté l'agent ça yo yo changé qui côté transaction ça yo yo fait. C'est la raison pour laquelle nous mandé entrepreneur ça yo pour yo capable joindre ça yo relo yon autorisation pour yo transférer by l'autre fournisseur yo gagné dans d'autres pays par exemple des tissus que yo pas utiliser dans pays ya yo compte gagner ça en grand volume et pour valider des listes des matières premières et équipements nécessaires pour entreprise ça yo ou encore délivrer yo un certificat d'éligibilité pour l'exonération des frais de vérification parce qu'on connaît toute entreprise ça yo yo gen franchise. Eh ben pour nous arriver faire demande ça pour yo auprès du ministère des finances, eh ben il faut que yo soumette à dossier y a vinn déposer ya by ministère commerce toute attestation qui gen pour avec transaction de change effectuée sur le marché haïtien délivrée par des banques ou des entreprises de change dûment autorisées par la BRH. Voilà, nous capable dire nous en gros c'est l'objectif principal de cette conférence de presse de ce matin. Pas question. Monsieur le ministre, vous êtes d'autres de l'investisseur du monde d'Alfonso. Qui est-ce qui était sorti dans la rencontre qui était bien avec ADI sur le problème et pour dire pas changer l'argent sur le marché local, là, ne pas les traces de transactions ça y est. Qui ça lui expliquer nous? Qui ça va nous comme explication sur ça qui va? Bon, vous connaissez
gen de fason diplomatikman ke yo repon. Men, ceci n'empêche que yon nan mam yo te avoué yo pa chanje la bank, men yo chanje nan de maison de transfert. Bon, sa ki interesse nou, nou menm au niveau du ministère du commerce et de l'industrie, c'est soumettre nous toute attestation de change effectué sur marché haïtien, soit dans des banques commerciales ou des entreprises qui autorisaient à faire changer ça. C'est ça seulement nous demander que nous pas exiger l'autre bagaille. Bonjour tout le monde, je suis Marie de Bédon, je suis la position de l'île. Monsieur le ministre, il y a un BRH qui s'est censé le BDA qui gagne avec les autres transferts et puis l'institution financière, vous m'avez remettre à fond par exemple, sur toutes les transactions. Est-ce que disposition que nous-mêmes, le ministre de la Commerce, nous prenons le pied? Et puis, dans quelle mesure nous prenons cette disposition que nous prenons le pied? Contribuer à l'empêcher de l'argent de provenance et de. Eh bien voilà, exactement. C'est ça, nous en train de faire là, exactement. Côté que nous pas gagner contrôle sous quantité d'argent qui a circulé sous marché informel là. Parce que nous faisons un marché informel. Tantôt, ou ils vont côté ou tande yo di ou telle entreprise gen taux pal et alors le taux réel, le taux officiel, c'est le taux référence de la BRH et taux référence là li plus haut que l'autre taux que ou l'autre banque yo a effectué. Et nous mettons dans la fourchette ça, ton référence BRH là. Eh bien, communiquez par nous au niveau ministère de commerce, c'est pour nous dire que nous avons fait transaction, change, nous avons droit à faire. Mais la loi prévoit des sanctions pour tout le monde qui va respecter chemin pour y suivre, pour y faire là. Pardon? BRH avec commerce n'a rien. Et bon, BRH, li rentre dans le cadre de prérogative lycée. Nous connaissons li la pour réguler le système financier là. Et nous autres, au niveau du ministère du commerce, nous là pour contrôler, garder et protéger les consommateurs tout pendant à protéger les consommateurs et encourager les investisseurs également. Ouais, deux. Travail ministère, que veut dire, nous obligés de prendre des décisions. Nous, là, pour nous encourager les importateurs, les investisseurs, d'un côté, et de l'autre côté, nous sommes là également pour protéger les consommateurs. Ça permet aux consommateurs de consommer des bons produits. Il y a consommé, parce que moi je dis tout à l'heure, les gens arrivent dans la douane, dans le dédouané, ils prennent marchandises dans la caille. Pas de monde qui connaît quel type de produit ils portent. Mais le ministère du commerce prend des échantillons
et nous pral voyons dans le laboratoire et le ça nous pral connaître qui type de produit qu'a vendre sur le marché. De l'autre côté, ça permet nous tout connaître qui prix moun acheter marchandise ça à l'extérieur qu'il y importé à travers Samsung dit tout à l'heure, prix FOB, prix CIF, bill of lading, importateur. Et de façon à ce que, pour nous-mêmes, équipe technique, nous, Chita là, a gardé prix de revient et gardé qui image bénéfice importateur, ça qu'a fait. Ok, yon importateur nous pas dit pas fait bénéfice, mais ou pas capable de faire 4 à 500 pour fois de yon marchandise que vous importez. C'est la raison pour laquelle le ministère commerce automatiquement arrive dans la douane, n'a pas gagné bill of lading, n'a pas gagné toute facture pour format que vous même yon acheté. Marchandise ça à l'extérieur. Dernière question. Bonjour tout le monde, moi c'est Lucy Vantandetti, je travaille pour marchandise à l'extérieur des États-Unis. Une question par le ministre liée à la question de la capacité de mesure qui n'a pas pour gagner un contrôle. Là, par l'autre de cela, on te parle en confiance ici à là, on te dit voilà, c'est ce qui ne parle pas pour le monde qui a changé de dollar dans la loi. Malheureusement, juste au moment qu'il n'a pas la compte, on peut se sentir dans la loi, on peut prendre une vie de côté pour après changer de dollar. Donc, il continue à changer de dollar. Je dis encore, vous venez pour annoncer les mesures et vous dites pour certainement qu'il y a des sanctions qui font peur de continuer à faire par l'extérieur. Concrètement, est-ce que vous pouvez promettre donc avec le public la prochaine fois nous avons fait la conférence? Le problème, c'est que vous avez encore, vous dites justement voilà, qui sanctionne nous pourrons poser contre des monde qui va respecter les mesures autour de là. Et le ministère du Commerce est là pour le soumettre toute salle jointe avec la justice. Pour la justice fait travail. Ministère commerce pas qu'à remplacer la justice. Nous fait ça n'est pas pour nous faire. Si il y a des monde qui viennent dénoncer là, nous soumettre dossier ça à la justice, il revient à la justice de faire son travail. Mais pour nous autres au niveau du ministère du commerce, on croit que nous fait pas nous et n'a continuer faire parce que rôle nous c'est protéger consommateur pendant n'a encourager investisseur. Merci beaucoup. Merci.